Eh bien, salut à tous, chers amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de FIFA 21 Carrière RP. Toi, t'as l'air plutôt intéressant, en vrai, hein. Non, en fait, c'est de la merde. C'est de la merde, on est d'accord. Je vais quand même regarder, hein, on sait jamais. Bon, on se retrouve donc pour une nouvelle, un nouvel épisode de FIFA 21. Donc, avec le LOSC, évidemment. Alors là, on va devoir jouer contre... contre l'OGC Nice, donc ça va être encore un match assez compliqué, et ensuite on va avoir des matchs internationaux, hein, on va dire ça comme ça. Donc match international, sachant que là je crois que c'est en 2024, ouais, donc ça va être pour l'Euro. Ça va être qualification pour l'Euro, j'imagine que... à la fin de cette saison-là, si on est qualifié pour l'Euro, eh ben, certainement, on va avoir la Coupe d'Europe à faire. J'imagine. Ce serait cool, hein, en vrai. Parce que pour une fois, je vais pouvoir la faire, si tu veux, donc ce serait plutôt pas mal. On verra ça après, de toute façon. Ce sera pas pour cette semaine, ça, c'est sûr. En tout cas... aujourd'hui, petit match contre l'OGC Nice, enfin petit match entre guillemets. Donc on va quand même mettre toutes nos armes de notre côté. Avec notamment Richie. J'aurais pu mettre Piduto également, mais on va déjà mettre Richie. On va mettre Ounas. Et est-ce que tu crois que Soumaoro, côté gauche, ça passe? Non. Merde. ça passera pas. Hein. Holgate, côté gauche. Holgate, ça passerait. Et Baumgartel. Ça passerait pas. Bon. Eh bah écoute, je vais mettre Holgate côté gauche. Et écoute, je vais bien voir si ça, si ça passe comme ça. On verra. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Et c'est parti, du coup, pour jouer le match. Oh, salut, c'est Germain Toussaint. Bon, je profite de ma pause donate, là, pour te dire que si t'aimes la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne. Voilà, abonne-toi, mon poulain. Et puis, si t'aimes vraiment la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Voilà. Allez, bonne vidéo, mon petit pote. Merci, Germain Toussaint. Ah, ça, c'est un joueur qu'on va suivre de près aujourd'hui, hein, vous vous en doutez. On parlait d'un départ imminent. Alexis Claude Maurice à Newcastle. Il est bien dans le compte de départ, en tout cas. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur eSports. Pourquoi pas, mais bon. Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, vous voyez que les conditions de jeu vont être idéales. On veut surtout gagner le match. En tout cas, au moment du coup d'envoi. Après deux matchs nuls, je crois. Je crois qu'on a fait deux matchs nuls et une victoire seulement. On va suivre aujourd'hui un match de Uber Eats, l'OGC Nice. C'est compliqué quand même. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations. Mais c'est que le début, donc pour l'instant, on va pas se choquer. Putain, par contre, ce qui me choque, moi, c'est Angesco, 3ème, tu vois. Un joueur qu'il faudra surveiller, hein, dans ce match, à mon avis. Il a signé un doublé lors de son dernier match et on peut donc imaginer son état de forme et de confiance. Alexander Sorloth. Je pense ne pas trop m'avancer. Ou Sorloth, hein, comme ça dépend de comment on... ou Sorloth aussi. Sorloth poché. Allez hop, ça c'est fait. Le gars qui aura aucun respect. Bon. Ah, Thiago Mendes. Ancien du LOSC. Bon, en même temps, tu me diras. Nice, il y a pas mal. Il y a pas mal de joueurs qu'on connaît à Nice. Alors, qui viennent de. L'entraîneur a choisi un pas forcément du LOSC, hein, mais qui viennent du nord de la France. Quoi. Et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Bon. La composition du LOSC. Ouais, vas-y, montre-moi ma composition, gamin. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon match. J'espère que ça va passer comme ça. Première fois que je mets Holgate côté gauche, donc j'en sais rien en fait.
Si ça se trouve, ça va pas passer, ça va être de la merde. On ce verra ça. Les Niçois qui engagent. Danilo. Thiago Mendes. Ouais, pas mal qui ça. Passe d'une équipe à l'autre. Pas Lucas mal. Paqueta. Pas mal. Cherche une solution. Ouais, sauf que je me fais enfermer. Ah, il a trouvé son partenaire. Allez, lancé. Ah, dommage. Ça s'arrête déjà. Dommage. Thiago Mendes. Si dommage, c'est dommage. J'ai hésité en fait. LOSC, une formation qui lors de son dernier match avait fait le nul à domicile face à Bordeaux. Un raté. Bon match qui avait accouché d'un mignon de deux. Et j'en vois bien un deuxième nul. Paqueta raté pour Richie. Très joué, belle Richie. Récupération là. Ok. Ça c'est pas mal ça. Allez, sous-marée. Sous-marée. Pouh, sous-marée. Bien joué. Alors allez, 1-0 pour nous. À peine du round d'observation. Pas mal. Ça commence bien. Cette session commence bien. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Et ensuite, belle contre-attaque, hein, mais bon. Imparable, après, on va pas pousser non plus. Hein. C'était voilà, une belle contre-attaque, mais voilà. C'était un but tout fait, on va dire. Sauf si vraiment je faisais de la merde. Ou qu'il y avait du scénarium. Danilo. Mais on va pas parler de scénarium tout de suite, hein, parce que à chaque fois qu'on parle de scénarium, à chaque fois il nous arrive une tuile. Ah, j'ai raté la passe. Giovanni Simeone. Danilo. Raté. Thiago Mendes. Raté. Je le sens bien là. Le ballon qui change joué, de ça. Camp après cette bonne intervention. Pas bien joué ça. Le ballon rendu à l'adversaire. Jean-Michel Seri. Bien joué, Holgate. C'est ça qu'on veut voir. Onas. J'étais hors jeu. Hors jeu indiqué. Ça sert à rien de le continuer, j'étais hors jeu. Bon, pour l'instant, Holgate côté gauche, ça passe. Ah, mais gauche. Bon, c'est pas non plus. Attention, ce ballon récupéré là très haut. Surtout si Soumaoro me fait de la merde comme ça. Lucas Paqueta. Richie. Pour Onas qui décale à Amian. Et ça, c'est beau. Il s'infiltre, attention. Oh putain. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Oh là 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 là. J'aurais mis un but et pas un de plus, hein, je crois. On va construire en passant sur les côtés. Hop là. Ah, il y avait faute, mais ça profite au Niçois. Ça continue. Ouais, faute. L'arbitre a tout à fait raison. Tu reviens à la faute initiale ou... Non ? Ouais, bah non. Ah, il y a quelqu'un en premier poteau. Hop là, ça c'est pour et moi. Le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Allez, à toi. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est du contre-assassin. Avantage au gardien dans ce face-à-face. Qu'est-ce que c'est bien joué de sa part. Il a bien fait. C'était quoi ce centre de merde? C'est quoi ce centre de merde? C'est pas le bon ballon. Bravo, c'est lui qui sauve la mise. Il est pas bien gonflé celui-là. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Putain. Intéressante pour le GC Nice dans la possession du ballon. Seulement, ça ne se reflète pas tellement au nombre d'occasions créées. Cette équipe aurait parfois de bons coups à jouer, mais ça manque de liant dans les transmissions de balles, puis surtout de vitesse. Mais Ah, il perd le ballon, bon tacle. Il perd la balle. On est marre de perdre la balle à des endroits précieux.
assez tendax. Hein. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement, ils perdent le ballon. Ok, pas mal. Bon, on a quand même bien souffert hein, durant cette première mi-temps. Vraiment, on a souffert. Hein. On a mis un but, mais clairement, contre le cours du jeu, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on fait que souffrir, que encaisser dans la tronche. Et jamais on lève la tête de l'eau. Mais bon, pour l'instant, on s'est pas pris de but. On s'est pas vraiment pris d'occasion. Donc on arrive quand même encore à défendre. Onas. Ouais, merci. L'opération est peut-être une action. Oh là 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 là. Même pas le droit de... Contre-attaque peut-être. Même pas le droit de le récupérer, de le dribbler. Alors, bien sûr, le dernier recrutement d'Everton, qui est maintenant confirmé, a fait un petit peu l'actualité du foot ces derniers temps. On attend toujours non, de non, savoir non, non, combien non, va s'élever le transfert. Non, certainement pas. Ouais, ça joue pas mal. Ils sont en train de revenir dans ce match. Ils peuvent espérer égaliser. Oh putain. Thiago Mendes. Il m'a violé. Peut-être il m'a violé. Il m'a violé. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Elle est au fond. Je l'avais dit. Bordel de chiottes. On va tenter de mettre Pizzuto à la place de Richie. Il faut que je fasse jouer les petits. Allez, hein, de toute tout façon. Est à refaire, un but partout. Si je veux qu'il y en ait un qui soit suffisamment efficace pour prendre la place vacante, on va dire. Alexander Sorloth. Waouh. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Oh putain. Simeone. On entre dans la zone dangereuse. L'arbitre fait signe de jouer, avantage à Nice. Les bénéficiaires de pension d'invalidité. Mais c'est joué. Qui trouve finalement un joueur adverse. Bah c'est bon. L'autre il est au sol pour rien. Alors, il a vu son vas-y Ounas. Allez Ounas. Alors ça, allez, c'est moche. Comme par hasard, hein. Comme par hasard, t'as vu. Comme par hasard, quand ça revient sur moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à la reprendre. Mais bon, y'a rien. Je l'ai fauché. Ouais, ouais, c'est bon, y'a rien. C'est ce que j'ai dit. Y'a absolument rien. Allez, Timothy Weah, bonne chance. Oh, le vilain tacle. Oh, ouais, y'a pas de vilain tacle qui tienne. Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune. Y'avait absolument rien, monsieur l'arbitre. Absolument rien. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Anthony Briançon. Oh putain. Quelle série. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Et ce centre qui est capté pas mal, par ça. Le gardien. Allez. On va envoyer vers Timothy Weah. Dernière minute, hein, nous y sommes. On croit en sa vitesse. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Alors on croit en sa vitesse, mais l'autre il arrive à suivre. Hein. Je sais pas combien il a de vitesse, mais sans déconner. Earl Gate. Et Lucas Paqueta. Ah, une phase de possession. Duto. Timothy Weah. Allez, il faut le mettre celui-là. Paqueta. Et bim. But des Lillois. Po-po-po-po-po-po-po. On va mettre de la défense. Hein. Je pense. Je pense que... Alors qui... Qui est remplacé par contre? Je pense que je vais remplacer Soumaoro par Glick. On va mettre Glick, hein. On va renforcer toute la défense. Aucune agressivité. Enfin, renforcer entre guillemets, hein. Aucune intensité dans les duels. C'est assez incroyable de voir ça. Mais bon. Bon, on pensait qu'on allait. Je sais ce que vaut Glick. Eh ben, voilà qui prennent l'avantage. Ouais. Et comme il a 71 de général à peine, t'inquiète pas, il va être bon. Parce qu'avec moi, tous les nuls sont bons. Et tous les bons sont nuls. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. J'avais pas du tout en tête
de tirer, je voulais tacler à la base. Alors qu'on entre bon, dans soit. Les 10 dernières minutes de cette rencontre. Quelle idée de mettre le bouton de tacle sur le bouton de tir encore. Aussi. C'est normal, hein, faut y croire. À un moment donné. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Ah, il est c'est passé, beau ça. Il file vers le but. Ouais, ça peut faire mal ça. Bim. Et tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve voilà. De allez, 3-1. On a quasiment gagné. Quasiment. Mais vraiment quasiment. Il reste, allez, 8 minutes à jouer, on va dire. Cette danse est ridicule. Avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté. Voilà, Jonathan David qui a mis son petit but aussi. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Empêche que quand Timothy Weah il joue, je suis désolé, j'y arrive. Hein. Attention, ça peut devenir intéressant. Oh, pas mal. Us. Un ballon. Ah, il y avait faute. Il s'est rien ça passé. Niçois, ça continue. Attention, on ne peut plus l'arrêter. Attention. La bonne a joué intervention. Ça. Us. Bon, j'aurais pas réussi à la sauver, mais au moins j'ai sauvé le corner. Voilà, c'est bon, terminé. Et bah c'est bon ça. C'est bon. 3-1. Cette équipe qui l'emporte sur une toute petite. C'est plutôt marge. Pas mal. C'est ah, plutôt pas mal tout ça. Comme tous ceux qui n'ont rien à dire, on va dire que l'important c'est d'avoir gagné. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon hein, dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Bon. Hop, continuer, interview d'après-match. On a fait un bon match. Franchement, là, c'était plutôt pas mal. Merci de nous accorder ces hey, salut les journalistes. Vous allez bien ? Ouais, ça flex. La hiérarchie semblait évidente entre vous et votre adversaire. Avez-vous eu des doutes sur votre capacité à l'emporter ? Nous avons bien défendu, c'est ce qui a fait la différence. Une victoire confortable après les 3 buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens ? Ouais, non, on est tourné vers notre prochain match, hein. Simeone a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Est-ce que cela a été difficile de museler les attaquants adverses ? Bon, je sais pas, non. Enfin, c'était pas facile, mais voilà. Voilà, c'est tout. C'est juste que, voilà, c'était... c'était pas facile, mais au moins on a réussi. N'est-ce pas ? Alors, Timo Baumgartel, 79 de général, 27 ans. Apparemment, ça, il veut plus le faire. Il n'y a pas grand-chose qu'il veut faire, en fait. Donc, bon, on va le mettre en libéraux, hein, si jamais ça passe. Alors, programme de développement, ça, ok. Sadzous vendu. Programme de développement pour Mike Maignan. Donc, j'imagine qu'il aura plus... Il va plus autant augmenter. 86, bon après 86 c'est déjà bien, hein. C'est énorme 86. Je regarde un petit peu, Medranda. C'était qui que j'avais mis en latéral droit, enfin gauche plutôt. C'était Medranda, tu es gaucher ou... Ouais, je t'ai mis en défenseur gauche, ok. Non, parce que dans la logique, Okosun, défenseur gauche, ça aurait été ça aurait été mieux pour moi, en fait. Parce que au Danemark, je rappelle que je suis le sélectionneur de Danemark, défenseur gauche, j'en ai pas des masses. Alors que défenseur droit, je crois que j'en ai déjà 2 ou 3. Donc, Okosun, défenseur gauche, ça aurait été un peu mieux. Pour que je puisse l'utiliser. Mais bon. Ceci étant dit, maintenant c'est trop tard. Donc, faut faire avec.
Donc maintenant, je crois qu'on va avoir des matchs internationaux. Alors les matchs internationaux, on les simule jusqu'à ce que ce soit des huitièmes de finale ou quoi, ou là où on pourra les jouer. Alors, fais-moi voir le petit truc limite des transferts. Fais voir. Alors ils ont dépensé pour Vlap, mais ils ont rien vendu. Bon bah voilà, hein, nous ça s'est vu, hein. On a quand même fait pas mal de bénéfices, pas mal de dépenses aussi quand même, mais bon, on a fait beaucoup de bénéfices. Et c'est pas fini, hein. Il y en a, ils vont vouloir nous piquer nos... Quoi? Quoi? Pourquoi le jeu il m'aime pas? Clause de libération acquittée pour Mike Maignan. Je vous suggérerais de renouveler son contrat au plus vite. Comme le club a activé la clause de libération, si le joueur décidait de rejoindre cette équipe, la somme de 68 millions d'euros nous serait versée. Merci de m'accorder du temps. Écoutez, je suis désolé d'avoir à vous dire ça, mais je pense n'avoir aucun avenir ici. Je ne suis plus heureux dans le club. Quoi? On a encore besoin de toi. J'apprécie ton honnêteté, mais pour le moment, sache que tes coéquipiers et moi tenons à ce que tu continues avec nous. Il va se barrer! Enfoiré! Il va se barrer! Je le sens super mal! J'ai envoyé des recruteurs pour un gardien. Gardien Danemark. Bah, à la limite, j'ai toujours un gardien en réserve, mais bon. Je préférerais que Maignan reste avec nous. On va quand même tenter, hein, les gars. On va quand même tenter d'essayer de le garder. Merde. Du coup, il m'a mis avec l'équipe nationale. On va essayer de le garder quand même. Tac. On va négocier son contrat. J'espère qu'il va vouloir. Ah. Crucial. J'accepte. Pas de prolongation. Ok. Pas de clause de libération. Et son salaire. Son salaire. Ouais, je pense qu'on peut monter là. Ouais, on peut monter, vous inquiétez pas. On peut monter. Ouais, on peut monter, on peut toujours monter. Voilà. On va partir là-dessus pour commencer en ajoutant une petite prime d'invincibilité. Au bout de 10 invincibilités, tu toucheras 1,5 million. Ça te va? Eh, là franchement c'est honnête, hein. C'est bon. On le garde. On le garde. C'est Keda. Coach, je suis content de vous voir. Je tenais à vous dire que c'est bien pour la confiance de voir que vous tenez encore compte de ce que je peux apporter à l'équipe. Nous te respectons. Depuis mon arrivée ici, je sais combien tu comptes pour ce club. Et je sais aussi que tu en as encore sous le capot, on va dire. Dans le réservoir, ça va rien dire. Allez. Du coup, c'est Keda. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de l'acheter, du coup. Fin des pourparlers. Eh bah voilà. Ta gueule. Le gars qui... Il est insupportable, tu sais. Insupportable. Bon. Mais au moins, on a réussi ce qu'on voulait faire. On a réussi ce qu'on voulait faire. Offre de prêt pour Peterson. Prêt de 2 ans. Pour le gardien. C'est juste un prêt, hein. On pourrait l'accepter. Après, il faut que je regarde si on a d'autres gardiens en réserve. De toute façon, au pire, on aura un gardien de la réserve, justement. On a Lossel, qui vient du Danemark. Ah bah non, je suis con. Remets-moi avec mon club, enculé! Non, on a personne.
On a personne. On a personne, mais en soi, je pense que je vais l'accepter. Parce que je peux avoir un autre gardien, donc je vais accepter le prêt de 2 ans. Écoute. J'accepte son prêt de 2 ans. C'est n'importe quoi, il est super bon ton gardien suppléant, pourquoi tu fais ça? Je fais ça parce que je vais avoir des nouveaux gardiens. Mais ils seront nuls tes nouveaux gardiens. Oui, et bah justement, ce sera l'occasion de les améliorer. Il y a un moment donné, il faut comprendre aussi que moi j'aime bien jouer avec des petits jeunes qui sont à chier au départ. Qui sont complètement à chier, voilà, ils font le taf. Je suis désolé, ils font le taf. Bon, à une heure de la fin, est-ce que Bordeaux a fait des folies ou pas du tout? Pas du tout. Bon, bah voilà, au moins c'est fait. Éliminatoire, championnat européen. Oh mon dieu. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs du centre de formation ainsi que la date limite des transferts. On va regarder aussi ça. J'avais mis quoi? J'avais mis meneur de jeu, c'est ça? Bon alors pour l'instant, meneur de jeu, je vois pas trop en quoi il serait meneur de jeu lui, mais bon, soit. Alors lui, il pourrait être intéressant à cause de son général. Donc je vais le recruter. Mais les autres, je crois que je vais rejeter direct. Bon travail avec le centre de formation. Pourquoi? Parce que j'ai recruté un milieu de terrain. Franchement. MOC. MCAT. Je vais regarder les plans de développement. Si je peux en faire quelque chose qui l'augmenterait un peu plus autre part. Alors c'est lui. Hein. Alors. Défenseur, déjà c'est non. Milieu droit, apparemment, ça a pas l'air de le gêner. Milieu central, ça va être un peu compliqué. Milieu gauche, ça a pas l'air de le gêner non plus. Avant-centre, ailier droit. Buteur, c'est pas ouf. Ouais. Ça risque quand même d'être un peu plus galère. Hein. Ça risque d'être un peu plus galère pour l'augmenter à la place de MC. On va mettre Dynamo. Au pire, de toute façon, on ne le recrutera pas. Hein. C'est pas ce qu'on cherche de toute façon. Nous, on a déjà ce qu'il faut. Ce qu'on cherche surtout, c'est d'avoir... d'avoir un nouveau gardien. Parce que je sens le coup de chiasse arriver que on va perdre notre meilleur gardien, tu sais. Allez, tac. On va affronter les Pays-Bas. Gestion d'équipe. Donc ouais, comme je vous avais dit, hein, on a déjà Maël... Côté droit, côté gauche, notre meilleur c'est Anderson quoi. On a Skov mais c'est pareil, c'est pas non plus le meilleur, on va dire. Hop. Bon, Eriksen, de toute façon ça reste the best. Je mettrais bien Larsen quand même à la place de Damsgaard. Parce que Larsen, je pense qu'il pourra être meilleur. Je regarde un petit peu le reste. Est-ce que je pourrais avoir un défenseur qui soit plus rapide que ça? La réponse est oui. Il y a lui. Nelson. Eh bah écoute, Nelson, bon courage.
Simulation rapide. C'est le Pays-Bas. Et ils ont gagné. Fait chier. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Alors, Medranda qui a réussi son truc. Changement de poste. Donc, changement de poste activé. Latéral inversé. On va directement lui mettre mauvais pied 5 étoiles. Même s'il est déjà à 4 étoiles, c'est déjà pas mal. Hop. Encore un petit entraînement. Alors, je vais pas mettre ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Passe vers la cible, peut-être. Hop. On met ça. Et à la place de ça, autre exercice, on va mettre du dribble. Histoire de maximiser le tranchant, hein. Parce que apparemment, c'est ce qui fait le plus kiffer dans ce FIFA-là, c'est le tranchant. Enfin, moi, perso, s'il y a un truc à garder de ce FIFA 21, c'est vraiment le changement de poste. Le changement de poste, c'est vraiment le truc qui sauve ce FIFA, hein, pour moi. Alors, il y a encore un entraînement. Décidément, ils en veulent avec ces scénarios offensifs champions. Hop, patate très chaude. Ça ira très bien. Autre exercice. Des dribbles. Des dribbles, des dribbles. Hop. Simule. Simule-moi ça, simule. Désolé. Alors, on est toujours deuxième, ceci dit. Hein. On est toujours deuxième, donc c'est pas mal. Et je crois qu'on va rester comme ça. 2-0 pour nous, et bah voilà. C'est déjà un petit peu mieux. Bon. On reste deuxième de notre groupe. C'est plutôt sympa. Alors, toi. Autre exercice. Et on va remettre patate très chaude. Et je vais rester comme ça, tiens. Tout le reste, ça peut rester comme ça. Rapport final sur Pablo Vidal. 62 général à 19 ans. Ouais. Wallya. Lui, je sais pas combien il a, mais il doit être abusé. Hein. Oh, niveau vitesse, à mon avis, il doit être super cheaté. Il doit avoir pas mal de coups francs aussi. Rama Cavallino, un truc comme ça. Ouais, c'est intéressant, on va dire. Alors, Soumaoro qui veut jouer contre le stade de... Enfin, le stade de Reims, j'allais dire, contre Amiens. Donc, certainement, on va le faire jouer. Et ce sera certainement le dernier match, les gars. Vous avez gagné votre dernier match avec 2 buts d'écart. Pensez-vous que votre adversaire Amiens vous craint ? C'était un bon match, mais on doit encore beaucoup travailler à l'entraînement et ne pas nous focaliser sur le moral de l'adversaire. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. Comment réagissez-vous face à cette irrégularité? J'ai confiance en mes joueurs, alors je m'inquiète pas. Bien sûr, on peut améliorer certaines choses, mais je pense qu'on atteindra nos objectifs. Maintenant que le mercato est terminé, la composition de votre équipe est-elle satisfaisante? Ouais, on a une équipe complète. Vous avez qu'un seul gardien. C'est une erreur de parcours. J'imagine le gars. Alors, Soumaoro. Qui veut jouer. J'y songerai. Contre Amiens. Hop. Alors, Soumaoro. Qui veut jouer. Alors, il va y jouer. Il est où? Ah, d'accord. Je l'avais même pas vu, tu sais quoi.
Alors, ici on fait jouer. Là, je vais mettre Enget. Chaud sous marée, c'est bien. David Sorlo. Ou Sorlotte, hein. C'est comme on veut. Hop, on va faire ça. Et on va faire ça. Allez, bonne chance. Simulation rapide. J'ai confiance. 3-0. Fallait avoir confiance. Jonathan David et doublé de Gomez. C'est sympa. Sympa. Sympa le petit doublé de Gomez. Très intéressant tout ça. Alors, Soumaoro, j'apprécie que vous, vraiment, vous m'ayez écouté et que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Ouais, garde les pieds sur terre, déjà, pour commencer. Le gars qui lui parle mal, direct. Je voulais regarder, est-ce qu'on a toujours Botman? Oui, on l'a toujours. Parce que lui, il faudrait peut-être que je le fasse jouer aussi, de temps en temps. Hein. Là, je l'ai pas fait jouer. Mais ce serait cool de le faire jouer un petit peu aussi. Ok, bon, ça, on va changer l'exercice. Dribble dans la zone, le reste on va le garder. Hop 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 hop. Soumaoro, s'il te plaît, on va mettre quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui en a besoin. Tiens, Mato. Le gars je le connais pas. Le gars, ça fait deux mois qu'il est avec l'équipe. Pendant 2 mois, il l'a jamais vu, tu sais. le truc le plus cheat. Alors, Lewis David, 62 de général à Doncaster Rovers. Gibson Fuentes, 68 de général à Doncaster Rovers. Bon, là, c'est surtout pour voir Doncaster Rovers, hein, leur nouvelle équipe. 69 de général, Philippe Malbazic. Joachim Mbemba. 57 de général à Doncaster Rovers aussi. Ok. Bah écoute, hein. Plutôt intéressant tout ça. Ils ont une belle petite équipe qui commence à se former. Allez, tac. Botman. Qui a reçu un petit peu aussi. Offre de prêt pour Fierro. Eh bah voilà. Il y a une option d'achat. Et merde. On négocie, hein. On va négocier sans option d'achat. Hein. Un prêt sans option d'achat. Et voilà. Ça, c'est vraiment un truc qu'ils ont mal foutu, tu vois. Dès qu'il y a un prêt avec option d'achat, tu peux pas le refuser. Si tu le refuses, il refusera le truc automatiquement. Et je trouve ça complètement débile, parce que dans ce cas-là, autant ne pas mettre l'option de négociation, dans ces cas-là. Alors, FC Lorient. C'est vrai que j'avais dit... Ouais, ce sera le dernier match et tout ça, mais bon, hein, voilà. Ne vous inquiétez pas. Au moins, vous en avez pour votre argent. Aïe, 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 aïe. Aucune équipe n'est parvenue à vous battre. Je pense qu'on peut encore continuer. Vous avez plié le match la dernière fois, bravo. Pensez-vous que votre rival s'en préoccupe? Les gars ont été formidables la dernière fois. Eh bien, ce sera tout pour moi. Allez. Hop. Gestion d'équipe. La dernière fois, Baumgartel, il avait joué. Enfin, il avait pas joué. On va mettre Botman. On va mettre Medranda et Okosun. On va mettre Kwame à la place de Shaw. Le reste de l'équipe, on la laisse. Simulation rapide!
Quoi? Putain, on s'est fait violer. Ok. Ça, c'est... Depuis quand? Depuis quand ils sont aussi, aussi bons, Lorient? Je comprends pas. Mais enfin, bref. Soit, hein, ça arrive. Du coup, on est cinquième. On a perdu 3 points. Et Lorient, 7ème. Bah, bien. Bien joué, FIFA 21. T'as réussi à faire du jeu de l'incohérence parfaite. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, chers amis, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à mercredi pour plus de vidéos de FIFA 21. C'est ça qui est bon. Sur ce, des bisous et à la prochaine.